La louange est à Allah, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui est le plus haut en grade et en degré, et celui qui est le plus grand en grade et en degré, celui qui n'a besoin de rien, celui qui ne ressemble à rien, il n'est de Dieu que lui. Al-Bukhari a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors du réveil: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Ce qui signifie: la louange est à Allah qui nous a maintenus en vie après nous avoir accordé le sommeil, et c'est pour son jugement que nous serons ressuscités au jour dernier.